Yo les frérots, c'est Albirec, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo sur la Team Kra. Donc, il faut savoir qu'elle va être composée de plusieurs épisodes, cette petite team. Tout simplement pour vous faire montrer un maximum de contenu que vous pouvez gérer en Team Kra. Notamment au niveau 120, au niveau 152 et au niveau 198 et 200. On va voir un peu ensemble les zones qu'on peut farmer. Et je pense que l'aventure sera plutôt sympa. En tout cas, les gars, avant de débuter cette vidéo, je tenais à remercier fortement tous les gens qui se sont abonnés récemment. Ma dernière vidéo, elle a explosé. Je crois qu'on a plus de 2000 vues et une centaine de j'aime, etc. Merci, merci énormément. Je vous laisse, c'était Albirex. Bon visionnage. Donc, mon pote, je peux te dire que là, tu vas voir... T'es tellement du sale, mon pote. Là, imagine-toi juste, cette team-là, gros, va te générer par mois entre 1 à 2 milliards si tu joues un petit peu de façon abusive au jeu. Mais bon, si t'es sur Dofus, c'est que t'as envie de le saigner généralement. T'es pas là pour faire des 30 minutes par jour, t'as capté ou quoi? Surtout avec une team crack comme celle-là. Alors, on va faire un petit tour sur les noms de la team Albirex tuto YouTube. Ça, c'est ce que je suis en train de faire, ok? Albirex tirage au sort. Donc, pourquoi, les gars, je vais le répéter, tirage au sort? Parce que, les gars, je fais gagner 200 000 Kama à 5 millions cash sur le serveur. Grid sur chacune de mes vidéos, les gars. Pour ça, c'est simple, tu t'abonnes à la chaîne, tu commentes et tu like, tout simplement. Tu as rempli ces trois conditions là par vidéo, pardon, tu es automatiquement pris en compte pour le tirage au sort. Le tirage au sort, je répète, les gars, il se fait en live sur ma chaîne Twitch ou Discord, donc je t'invite à follow les deux. Tout est dans la description. Albirex pour le cash, pourquoi? Bah frère, avec cette team là gros, tu vas être au Bahamas, gros, ça sera en mode Gucci, gros. Tu vas être en mode, tu vas regarder les teams passer à côté de toi, tu vas dire, wesh, qu'est-ce qu'elle fait, elle a pas capté que j'étais abusé dans le jeu, frère, laisse tomber, tu pourras tout acheter, des vues de bis, des ocres, bref, faire tout ce que tu veux, ta daronne sera à l'abri sur le jeu. Alors, ensuite, Albirex YouTube Easy, parce que les gars, on va tellement traiter du YouTube Easy, gros, ça va être devenir facile à force, frère. Je vais sortir des vidéos, t'es pas prêt. Albirex, abonne-toi, bah ça, je l'ai déjà dit tout à l'heure, hein, tu sais pourquoi il faut s'abonner. Déjà, de 1, ça me soutient. Et en plus, tu peux gagner des camas, donc voilà, on va pas revenir dessus. Albirex, cloche activée, parce que les gars, là, si t'actives la cloche, à ce qui paraît, tu peux avoir le premier à sortir la notification. Albirex Repocop, parce que les gars, faut savoir que je réponds à 100% de vos commentaires. N'hésitez pas là pour la Team Kra, si vous avez des questions sur le budget, même si je vais y répondre de façon, comment dire, global, n'hésitez pas, il n'y a pas de questions bêtes, les gars, commentez, déjà ça vous fait gagner, ça vous prend en compte pour le tirage au sort, et en plus si je peux vous aider moi derrière avec des réponses auxquelles vous avez du mal à répondre par vous-même, je suis opérationnel. Donc les gars, on va passer au stuff, mon pote. Je peux te dire que les stuff, tu vas te chier dessus, parce que mon pote, la team, elle a quoi? 3000 d'initiatives moyennes. 3000, frère, les niveaux 120, on répète. Hein. Les gars, c'est un truc de ouf. Hein. Les niveaux 120. Donc, l'ENU, il a 7500 d'initiatives avec le SRAM à peu près pareil. Et donc, derrière, ils ont entre 1500 et 2000 d'initiatives. Alors, le stuff de l'ENU, tu vas taper une barre, mon pote. Il n'y a rien. C'est un stuff qui coûte honnêtement, allez. Bon, à part le chapal popette, mais t'as capté, ça c'est pas son vrai prix. Tu peux prendre un familier de merde qui te donne de l'initiative. Moi j'ai pris ça parce que je suis abusé dans le game, tu vois. Tu prends un truc à 500 d'initiative, au pire tu perds 1000, on s'en balec. Donc voilà. Alors le bouclier, c'est un petit over 200 d'initiative que j'ai mis. Donc là je l'ai mis arme de chasse parce qu'il faut savoir que de la team Kra, les gars, montez chasseur s'il vous plaît, les gars. C'est massivement des kamas. Tu peux vendre des packs de chasseurs entre 2,5 millions et 3 millions, gros, unités. La team Kra, gros, elle t'en fournit des masses de packs chasseurs. Te prends pas la tête, monte chasseur, tu vas le rentabiliser en une journée, gros. T'inquiète pas pour ça. Alors attends, le fonceur, l'initiateur et le précurseur. Alors là, mon pote, je peux te dire que déjà, là, t'es dans le turfu. Alors là, tu vas me dire, ouais, regarde, c'est un petit anneau, pourquoi t'as 500 d'initiatives? Parce que j'ai spam les runes comme un débile, mec. On s'en fout des stuffs, de l'ennui et du SRAM, on veut juste de l'initiative. Donc ils sont en mode 8-4, balèque du reste. Tout simplement, fais-moi confiance. Là, j'ai mis un petit over aussi, pareil, tu vois. Hop, petit over. On focus vraiment l'initiative, le reste, balèque. Le SRAM, je te le montre quand même, mais il a pareil. Donc tu vois, c'est plus ou moins pareil, tac tac. Toujours arme de chasse, les gars, n'oubliez pas. Donc stat de fou. Le crabe, bon là tu vas me dire, mec, t'es un peu trop dangereux pour nous. Ouais, je sais, les gars, je sais, mais attends, regarde-moi ça. Donc t'as quasiment 1200 de stats intel, plus, attends. 124, t'as plus de 1300 de stats, mec. 1300 de stats, t'es niveau 120, frère, et t'es en 11-4, 6 PO. Ah oui, ce que je t'ai pas dit, frère, regarde la PO. Ça, c'est vraiment super important pour l'écran. Les gars, la PO, toujours à 6, ne faites pas moins, ça rien. Vous allez perdre du temps, 6 PO, c'est la base. Les PM, on s'en fout un petit peu, parce qu'on est niveau 120. Après, on passera sûrement sur du 5 PM, voire du 6 PM, on verra par la suite. Donc le stuff, là, déjà, tu peux l'enlever. Hein. Tu peux l'enlever, tu perds que 80 de puissance, y a rien qui change, y a rien qui va changer. Alors voilà.
Le stuff, il y a quoi? Donc déjà, il a un full Gucci, les gars. Il a turbulent, astucieux, mineur, astucieux normal. L'érudite qui donne 50. Le remueur, 50 de vitalité. La baguette des lames, elle est full Intel. J'ai mis, à chaque fois, je cale des petits overs, en fait. C'est simple, t'as juste à spammer les runes. J'ai mis entre 15 et 20 d'overs. Regardez hein, combien ça coûte. Hein. Les gars, ça, c'est un truc qui coûte... Alors, on va regarder ensemble pour vous faire plaisir. Allez, 17 000. Ok, 20 000, 20 000. Ok, 80 000. Allez. 150 000 kama, les gars. Ça se craft pour 150 000 kama. Donc, ça pareil. Hein. Ça, c'est du. Allez, on va regarder ensemble aussi si tu veux. Tac, tac. Vite fait. 80 000. Ok, ok, ok. Bref, t'as capté. Il n'a même pas pour 200 000 kama. Là. Il est pour 150 000 kama. Donc, en gros, le stuff coûte vraiment, vraiment rien. Donc, le cra. Je disais quoi? Le cap Eclipse, les gars. Regardez-moi ça. Elle donne que 50. Je lui mets un plus 20. Regardez-moi les dommages feux que ça donne. Regardez-moi, les gars. Faut focus les dommages à ce niveau-là. Les dommages feux, la PO, les gars. Ça, c'est vraiment primordial. Les gars, le stuff coûte vraiment très peu cher. Et pourtant, on est vraiment en full optimisé. Vous avez vu, on a calé quelques petits over, etc. Intel. Et les gars, c'est du moins 9000 par tour, les gars, si on focus un mob. Hein. Moins 9000 par tour. Hein. Là, on n'est pas en mode. Ouais, peut-être que ça va roxer. Non, non, moins 9000 par tour. Si tu veux, je te mettrai une petite fille, un petit. Tiens, tu sais quoi, je vais faire un Eclipse au putsch. Let's go. Allez les gars, je vais vous montrer comment ça tape fort cette team de malade mental. Franchement, c'est une team, les gars, comme je vous dis, niveau 120, hein, full abusé. Hein, franchement, tu fais ça niveau 120, t'es bien. Bon, je rentre un peu tous les persos à l'arrache, on s'en fout un petit peu. De toute façon, je vais vous expliquer comment ça se passe. Donc voilà. On va mettre ça là. Ça là. Le cratéen, on va le mettre là. Lui, on va le mettre là. Là. Non. De toute façon, ils vont pas sûrement tous jouer, mais bon, voilà, c'est pas grave. Pour vous ayez une idée à peu près de comment va se passer un peu le combat, donc en fait, tout simplement, là, vous les gars, vous avez une team qui tape de fou. Donc, ce qu'il faut faire, les gars, toujours T1, cupidité avec les nus, ça va booster toute la team. Et ensuite, une retraite. Bon, moi, je vais pas retraite, vous doutez bien, je suis sur un putsch, il n'y a pas de mob, les gars. Réveillez-vous un peu, les gars, je vais pas faire une retraite alors qu'il y a un putsch. Réveillez-vous, bordel, réveillez-vous. Non, plus sérieusement, les gars. Donc, là, d'habitude, vous faites cupidité, donc une petite retraite, et vous passez votre tour avec les nus, ou vous capturez comme vous voulez. Le SRAM, il sert à quoi en fait? Le SRAM, il a un sort qui s'appelle Brume. Donc vous voyez ici, c'est marqué pose un glyphe d'aura qui rend invisible les alliés présents dans la zone. Donc tout simplement, en fait, ça va permettre que vous voyez par exemple là, le secra là, on ne peut pas taper ici sur cette case là par exemple. Attendez, je vais essayer de vous ping ici. Parce qu'il y a deux cras qui le gênent. Et en fait, avec le sort Brume, ça va permettre de dégager cette ligne de vue là, vu qu'ils seront invisibles. Regardez, hop. Et voilà. La ligne de vue, elle est réglée. Donc là, tu fais ça avec le SRAM, mais généralement, tu lances une capture, si tu veux. Le CRA, soit tu boostes, si t'as une belle zone directement, tu boostes le tir puissant, et tu fais deux explos. Donc voilà, tranquille. Ou, bah là, par exemple, sans boost, là, je te montre sans boost, vite fait le ROX, voilà. Et bon, lui, il a combien? Voilà, bon, il va être quasiment déjà mort. Ouais, il avait 1500 de points de vie, les gars. Donc vous tapez du 1500 à peu près, sans boost, hein, sans, juste vraiment avec une petite cupie de l'ennu. Et le combat est réglé. Donc, je vous ai dit, les gars, c'est extrêmement, extrêmement cheaté, les gars. Moins 1500 par tour. Donc, vous avez 6 cras. On va prendre la calculatrice pour que vous voyez ça. Donc, 1500 fois 6. Donc, les gars, je répète, 9000 de dégâts potentiellement T1. 9000, les gars. Et je répète, il y a le bouclier, il n'a pas d'over intel, il n'y a rien de superficiel dedans. C'est vraiment des stuff, les gars, vous pouvez plus ou moins adapter à votre sauce. Moi, il y a des familiers, je répète, il y a des pourpres que vous pouvez enlever. Ça sera plus ou moins le même combat, sauf que ça sera peut-être un petit peu plus long. Il faudra faire un peu plus attention au niveau du râle, etc. Mais dans l'idée, ça reste la même, pardon. Alors là, ce que je vous propose, les frérots, c'est que... je sais, la team est vraiment fraîche de ouf. Hein. Mais ce que je vous propose, les gars, c'est de vous montrer un petit peu les combats, comment ils se passent avec la team. Où aller farmer, pourquoi aller farmer. Donc les refs, on se retrouve sur la première zone que je vous présente, les gars. C'est la zone Ecaflipus, la numéro 1. Pourquoi? Parce que les gars, comme vous pouvez le voir, ça rapporte jusqu'à 70 000 kama par combat. Et c'est des combats qui durent en moyenne 10 à 30 secondes. Bon, moi, je suis en train d'enregistrer, donc forcément, ça prend un peu plus de temps. Mais ça s'enchaîne super, super rapidement. Je vous laisse regarder un peu le combat. Donc vous voyez là, je stack les mobs et je tape dessus comme un arruti. Il n'y a rien de bien compliqué, les gars. Donc voilà, donc par exemple là sur ce combat là, j'ai mis quelques secondes, une poignée de secondes. Et je me suis fait, je crois, 50 000 kama. Donc voilà les gars, faites le calcul. Si vous faites ça x 10, x 100 combats, ça monte très très rapidement. Donc la seconde zone, comme vous pouvez le voir, c'est le village canopé. Pourquoi? Parce qu'il y a les guerriers où on peut dropper jusqu'à, je crois, une 3. Je crois que j'ai mon record, c'est 4. 4 sur un seul perso, tibia de guerriers. Ça coûte entre 10 000 et 15 000 kama. Voilà, je vous mets un petit combat, un petit extrait de combat. Pareil, c'est super rapide. Vous défoncez tout T1 avec la team. Donc voilà, voilà. Je vous laisse regarder un peu le combat tranquillement.
Pareil les gars, pendant que j'y pense, pensez à capturer. Moi je l'ai pas fait pendant la vidéo, j'ai complètement zappé. Mais pensez à capturer, hein. Le bénéf, vous le multipliez par 2 minimum, donc c'est super intéressant de capturer. Allez, le dernier mob. Donc là, sur ce combat-là, je me suis fait à peu près 150 000 kama. Donc si tu captures avec ce que tu fais en arène, donc t'as minimum allé un combat à 300 000 kama, quoi, avec la capture. Franchement, c'est plutôt rentable, hein, quelques secondes. On passe tout de suite à la troisième zone, du coup. Ça va être direction Free Ghost, donc niveau, nous y voici. Ici, donc pareil, il y a les, comment dire, les ressources d'Ekumut qui coûtent une blinde, les gars, une blinde. Là, de mémoire, je crois que sur ce combat-là, je m'étais fait, je crois, 500 000 ou 400 000 kama. J'avais pas capturé, d'ailleurs, les gars. Pensez surtout à capturer. Moi, je l'ai pas fait dans la vidéo. Capturer, 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 c'est super important. Pareil, le combat-là en question, il avait duré un peu plus de temps que prévu. Parce qu'en fait, j'avais pas vu, avec, à cause de mes idoles, qu'il restait un mob en haut. Donc ça, pareil, les gars, faites gaffe. Hein. Donc là, je me suis rappelé que le mob était en haut. À la fin, j'ai quand même pu gérer le combat. Donc voilà, en quelques minutes... tu peux te faire donc 400 000 kama x 2, du coup, vu que tu retapes ça en arène. Donc c'est plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, je trouve ça assez stylé de fou furieux. Sinon, pour le farm, vous pouvez farmer en score 351. Moi, personnellement, j'aime pas trop donner de PM, etc. au mob. Du coup, je mets un petit score 220. J'attends que, pour utiliser la compo 351, que mes persos soient plus optimisés, niveau 152, pour avoir l'explosion. Qui tape plus fort, tout simplement. Donc voilà, regardez, encore une petite zone là, sympathique. La zone Xelarium, la première zone. Donc ça, c'est des combats, les gars, qui rapportent pareil beaucoup de kama. Là, ça peut aller de 80 000 kama, je dirais, à 200 000 kama le combat. C'est des zones qui se farment super rapidement, super simplement. Il n'y a pas à réfléchir. Bon, faudra faire attention, il y a un mob qui... Je sais plus lequel exactement, mais... Pardon, il y a un mob qui se TP. Donc faire gaffe à lui, mais c'est bon, c'est tout ce qu'il y a à savoir, quoi. Donc voilà, les gars, c'est super méga simple. Le bénéfice, je crois, sur ce combat-là, ça a été de 150 000 ou 120 000 kama en, ouais, voilà, en même pas une minute. Je crois, ouais, une minute et quelques. Donc voilà, c'est super rentable. Que vous dire? Qu'est-ce que je peux vous dire? Abonne-toi.